Regardez ce parfum, il sent trop bon. Qui veut le sentir? Tiens, regarde ça. Ah, ça sent trop bon le parfum. Wanis, tu veux sentir aussi? Oui. Ça sent trop bon. Tu veux sentir aussi? Oh, ça sent méga bon. Nounou, tu me le donnes? Non, c'est à moi. Mais je peux l'essayer. Tu veux en mettre sur toi? Oui. Qui veut mettre du parfum? Moi. Moi. Ok, bah tiens. Je commence toute seule. C'est bon? Ouais, tiens. Allez, mets du parfum. T'arrives pas, c'est trop dur pour toi? Je mets pour toi? Ok. Il en a mis froid. Moi aussi, j'en mets. T'en as déjà mis? Oh, il va finir mon parfum. Non, jamais. Il m'a coûté très cher. Si. Non, c'est faux, il t'a pas coûté très cher. Bah si. Non, il t'a coûté. Tu peux pas savoir. Il t'a coûté 1€. Blablabla. Donne-le-moi. Non. Et toi, tu veux pas mettre du parfum? C'est parfait, il sent bon, mais moi, j'aime pas les parfums. Les enfants, venez, on va dans la maison. Ok? Allez, venez. C'est mon jouet. Nounou, Wanis, il veut pas partager son jouet. Ah ouais? Mais Wanis, partage ton jouet, non? Bah si. Mais pourquoi tu veux pas partager? Partage avec les autres, allez, passe. Quand c'est mes jouets, je le donne à tout le monde, mais quand c'est lui, il donne pas ses jouets. Ah ouais? Du coup, c'est moi qui commence. Et est-ce que Aaron, il a joué avec? Mais moi aussi, je n'ai pas joué. Aaron, est-ce qu'elle a joué avec? Elle? Elle a joué mais avec? Non. Bah ok, tiens. Wanis, tu partages tes jouets, ok? Ok. Nous, t'es trop gentille. Bon, c'est à moi de jouer maintenant. Et il s'appelle comment lui? Zenom. Ah ouais? Et est-ce qu'il est gentil ou il est méchant? Il est gentil. Parce qu'il a une tête de méchant. Hein. On dit pas Zenom, on dit Venom. Les enfants, qui veut des marshmallows? Moi! Est-ce que je peux être la première pour les marshmallows? Bah non, t'es la plus grande. C'est les plus petits d'abord, d'accord? Mais ils ont le même âge. Mais c'est qui le plus petit? Moi! Moi, je sais c'est qui le plus petit. Donc, je vais donner à quelqu'un. Alors, le plus petit, c'est Aaron. Tiens, A. Et ensuite, c'est Wanis. Tiens, A. C'est A. Et ensuite, c'est... Jeanne. Tiens. Bah, t'es la plus grande. C'est normal que t'es en dernière. Quoi? Tu veux me dire quoi? Tu vas en deuxième? Pourquoi t'es pas contente? C'est normal qu'on donne aux petits. Oui, mais eux, ils sont trop petits. En plus, ils ont le même âge. Comment veux-tu donner à Ron et Wanis? Ils ont le même âge, la même taille. Tu peux donner à moi, comme ça, après, eux deux, ils ont égalité. Eh ben non. Eh ben si. Eh ben la prochaine fois, tu sais, je vais faire quoi? Je vais donner un à toi et deux à eux. Non, ça se fait pas. Mais pourquoi ça se fait pas? Parce que tu donnes toujours à eux deux. Parce que c'est des bébés, on dirait. Mais pourquoi alors tu voulais être la première alors que... Je... Bah c'est qui décide? Bah c'est moi la plus grande. Bah non. Bah si. Bah non. Mais si. Bah ok, la prochaine fois t'en mais auras si pas je te alors. Dis une expérience, tu le feras. Mais c'est quoi ton expérience? Si tu mets... Tu croques là un bout de marshmallow, tu le coupes ou tu le croques, tu le mets dans le micro-ondes et Il va gonfler. Il va gonfler très fort et tout à la fin il va fondre. On pourra essayer cette expérience? Non. Est-ce qu'on peut essayer cette expérience? Non. S'il te plaît! Non! Je t'en supplie! Bah j'ai dit non, donc non, c'est non. Je t'en supplie! Ça sert à rien de me supplier, je t'ai dit non! Si! Je le ferai, mais je t'en supplie! Mais tu vas le faire comment? Les marshmallows, je les cachais, tu vas jamais les retrouver. Mais j'ai des bons yeux. Nounoun, c'est dangereux! Qu'est-ce que je veux faire? Bah oui, c'est dangereux!
Les enfants, vous savez que papa, il vous aime trop. Ok? Mais là, c'est chaud pour vous parce que là, vous êtes deux fois vous êtes têtu et c'est quelque chose que j'aime pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais ramener une deuxième nounou. Bon, c'est vrai que nounou Dourine, elle est gentille, tout ça. Ok? Bah oui, je suis gentille avec les enfants. Pourquoi tu veux ramener une deuxième nounou? Une deuxième nounou? Pourquoi? Tout simplement parce que la deuxième nounou va t'aider. Parce que t'es débordé, il y a trois enfants. Normalement, chaque enfant doit avoir sa nounou. Ou son nounou. On va tester la nouvelle nounou, ok? Elle sera avec vous et de temps en temps, tu seras aussi les enfants. Il n'y a pas de souci. Pas de souci, mais j'espère que ça va bien se passer. Bien sûr que ça va bien se passer. Qu'est-ce que tu crois? Ben, on sait jamais. Comment ça, on sait jamais? Je sais que t'es là depuis un moment, tu travailles bien, t'es irréprochable, mais voilà, je teste quelqu'un. Faut donner la chance à tout le monde, n'est-ce pas? Oui, j'avoue, mais bon. Bah, ok, voilà. Je comprends. Voilà, tu comprends. Oui. C'est compréhensif quand même, voilà. Oui. Voilà. Bon, les enfants, je vous laisse avec nounou Laurine. Je vais chercher la nouvelle venez. Nounou. Okay. Allez, venez. Bah, ramenez-les, ils vont jouer, tout ça. Voilà, allez, entrez, tout ça, avec Laurine. Bah, à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Oui. Ça me fait très, très plaisir que vous soyez venu. Ça fait plaisir aussi. Ah là 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 là, mes enfants, on en avait besoin. Une deuxième nounou. Parce que on n'a pas eu longtemps, je vous ai expliqué ma situation. Bien sûr. Voilà, j'ai une nounou qui est là, ok? Et j'ai bien les enfants, tout ça. Vous entendez, il y a des... Oui, je les entends là. Voilà, c'est mes enfants, ils sont adorables. Oh là 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 là. C'est trop... C'est trop d'amour, c'est trop d'amour. Donc je disais la deuxième... Vous êtes la deuxième nounou, donc celle qui est déjà là... Elle a du mal, les enfants sont... Elle n'arrive pas à gérer, voilà. Compliqué pour elle. Voilà, exactement, ils sont très agités, tout ça. Ouais. Je pense qu'avec vous, ça va très bien se passer. Je vais essayer de gérer, voilà. Ne vous inquiétez pas, comptez sur moi. Bien sûr, j'ai parlé avec vos agences. D'accord. Au cabinet, ils m'ont dit que vous êtes une femme professionnelle. Avec exactement. Vous, les enfants, oui. Ils sont bien encadrés, ils deviennent exemplaires, bien éduqués, ils deviennent même matures. Ah oui. Je m'occupe très très bien des enfants, n'inquiétez d'accord, pas. Donc je peux vous faire confiance. Exactement. Vous enchantée, Madame Lee. Non, avec franchement, un grand plaisir. Ah, je suis trop vraiment contente. Avec un grand plaisir. Bon, l'entrée, c'est là-bas. Entendu. Voilà. Vous pouvez entrer en première. Merci beaucoup. Oui, de rien. C'est une fenêtre, hein, c'est pas l'entrée principale ici. On n'entre pas ici tout le temps comme ça. Hein. C'est juste une fenêtre. Coupé. Attendez, monsieur, vous les laissez jouer comme ça? Mais c'est dangereux, non. Il risque de se faire mal. C'est comme ça que ça se passe tout le temps. Vous avez vu, elle est là, la nounou. Et elle est assise, elle bouge pas. Oui, elle laisse. C'est normal. C'est pas normal. Vous pour trouvez moi, c'est pas normal, non? Ah, vous trouvez que c'est pas normal? Exactement. Mais les enfants, ils jouent. Non, mais vous voyez pas que là, il y en a une qui risque de se blesser. Et que... Ah, je suis trop content, franchement, je suis trop... Moi, je le vois, là, ça va oui, pas. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Franchement, ça se voit, vous avez de l'expérience. Ah oui, oui, clairement. Bon, on fait les présentations. Oui, avec un grand plaisir. Les enfants! Oui! Il y a la nouvelle nounou! Bonjour, les enfants! Ah, il y a une nouvelle nounou! Elle a l'air très gentille, celle-là. Papa, c'est qui, elle? Qu'est-ce que t'as dit, là? On dit pas qui déjà, je suis ta nouvelle nounou, ok? Voilà, ça c'est ce que j'aime. La nounou, elle a du caractère. Il faut écouter, hein? Il faut écouter. Bon, ah oui, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser, vous allez faire connaissance et tout. Bien bah, sûr. Voilà. Avec un grand plaisir. Bah, lui, il s'appelle Wanis. Hein? Il est trop mignon, la fille. Ouais, il a la grosse tête comme moi. On se ressent, regarde. Je vois exactement. Le beat. Ouais. Tes muscles et tout. Il est. Oh, il est... Et lui, c'est Aaron. Il est trop chiant, il est trop chiant. Ah oui? Oui. Ah, voilà. Je viens c'est avec ma deuxième femme. Mon ex. Vous avez eu combien de femmes? Non, en fait, je me suis marié trois fois. D'accord. La première femme, on n'a pas eu d'enfant. Oui. La deuxième femme, on a fait deux enfants. D'accord. Ces deux-là. Et la troisième, celui-là. Celui-là. Ouais, voilà. Donc, vous voyez la ressemblance?
Exactement, voilà, oui, frère et sœur. Mais la mère est trop chiante, elle était trop chiante. C'est quoi, j'ai divorcé, tout ça. Regarde, ah oui. Regarde. En plus, je ne sais même pas si c'est mes vrais enfants parce que... Ah, vous n'avez pas fait de... On n'a pas encore fait ça, Diane, on va vérifier parce qu'elle m'a trompé plusieurs fois. Donc, avec, il y avait l'homme de ménage qui était là. Oui. Je les avais surpris, donc je me pose trop de questions parce que là, ce nez-là, c'est pas mon nez. Regarde, moi, j'ai un gros nez comme ça. Ah. Voilà. Oh, vous foutez de ma gueule, là, Nounou? Ah non, non, pas du tout, non. Ce que vous avez dit à l'instant, ça va bien. D'accord. Blabla par-ci, blabla par-là, blabla par-ci, là. Mais je les aime, ce sont mes enfants. Vous pouvez partir, vous pouvez compter sur moi. Je vais m'occuper de... Voilà. Au revoir, bon courage à vous. Bonjour, enchantée. Ça me fait plaisir d'avoir quelqu'un... qui pourra m'aider pour les enfants parce qu'ils sont trop compliqués à gérer. Je suis pas venue pour t'aider, hein. On est deux nounous et vous savez même pas vous en occuper. Comment ça, je sais pas m'occuper des enfants? Si on t'a fait venir, c'est parce qu'ils sont nombreux. Et puis, je suis très compétente. Je m'en fous. Je vais m'occuper des enfants aujourd'hui et toi, non. Tu vas rentrer chez toi. Mais si, je peux m'occuper des enfants aussi. Bah non, tu ne sauras pas t'en occuper, c'est sûr. Bah ok. Je dois m'occuper d'eux quand même. Ah bah non, tu vas rentrer chez toi. Mais non, les enfants. Fais-moi confiance déjà. Les enfants, venez. Venez. Les enfants, vous préférez moi ou cette nouvelle nounou? Je vais bien m'occuper de vous, en tout cas, comme je vous ai dit. En plus, je vous ai ramené des cadeaux. Vous allez apprécier. Je vous assure. Vous me croyez ou pas? Moi, je te crois pas. Moi, je te crois pas aussi. S'il faut choisir, je prends Laurine. Ouais, on a avec Laurine. Me touche pas. J'ai déjà fait mon choix, tu me touches pas, c'est Laurine. Ah ouais, c'est Laurine, t'es sûre? Je vous ferai la misère. Mais ça va pas, faut pas parler comme ça aux enfants. C'est quelle éducation, ça? Je suis la nouvelle nounou, ok? Je ferai ce que je veux. Mais regardez, les enfants, ils ont peur. Et aussi, je vais me débarrasser de toi. Mais comment ça, tu vas te débarrasser de moi? Elle est folle, elle est. Les enfants, venez. Venez, on va là-bas. Venez. Elle est méchante, cette nounou. Venez. Vas-y, tiens. Où le contre-jeu? Oui, il a déjà dit. Et tu sais que cette carte, ça veut dire qu'on échange deux cartes. Allez, on échange et on met couleur. Oh, t'as de la chance. On met couleur verte. C'est à toi. Couleur verte. Bah, c'est une couleur verte. Du vert? Oui, mais une carte verte. Et fin de jeu. Ou non, fin de jeu. Mais non, t'es un mauvais joueur, hein. Vas-y, on recommence. Mais toi, on n'a pas triché. Vous avez triché, je suis pas content. Mais non, on n'a pas triché. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Ben non. Si. En plus, tu voulais jouer en équipe et au final, c'est que toi qui as joué. Et tu dis que tu veux plus jouer en équipe. Déjà, on doit pas être ensemble. Tu veux pas faire équipe? Non. Tu veux jouer tout seul? On fait pas équipe. Bah d'accord. Bah ok, on fait pas équipe alors. On refait une partie, mais cette fois-ci, tu perds, c'est pas de notre faute. Hein. Ok. Ok. Bonjour. Vas-y, la vengeance. Bah ok, on fait une autre partie alors. La vengeance se mange avec un plat froid. Jade, passe-moi les autres cartes. Un, faut que je les mélange. Trois, quatre, mais Jade. Cinq. Bon, j'ai bien mélangé les cartes, donc 7 cartes chacun. Ah, je sais comment je m'occupe. 3, 4, 5, 6, 7. Bon, toi, t'avais déjà donné des cartes à Aaron. Bah ouais. Et voilà. Je commence. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a des bonnes cartes? Ah, moi, j'ai des bonnes cartes. Ouais, elles sont toutes nulles, mes cartes. Hein. Bah, je commence. Ça va être marrant. Alors, déjà, de 1, je bloque Aaron. C'est qui le deuxième? C'est Aaron? Oui. À toi, Wannis. Cherche une couleur bleue. Est-ce que t'as un autre 8? T'en as un autre? Regarde si t'as un autre. Moi, j'ai... Non, un autre 8. Ma... Non, t'as mis du bleu. Dégagez vos vieux jeux, là. Mais on est en train de jouer au nord. Eh,
Mais les enfants, regardez, les enfants, elle a fait quoi la nounou? C'est quoi le problème? Elle a pas si vieux jeu là. Oh, mais cache! Arrêtez de jouer là! Jette des cartes! Eh, mais de toute façon, c'est pas moi qui va ramasser ça, c'est toi. Hein. Moi? Bah oui, c'est toi. C'est à moi de ramasser? Bah oui, tu les as mis par terre et tout. Mais c'est quoi ce type de jeu là? Bah c'est un Uno. C'est un jeu pour les enfants. Je m'en fous que ce sont des jeux pour des enfants! Vous ramassez tout de suite là! Plus vite que ça! Mais c'est des enfants! Mais ça va! Faut pas être énervé comme ça! Oh là là! Des vieux jeux! Mais c'est pas nul le jeu! Les enfants, est-ce que le jeu il est nul? Non, il est pas nul! Il est trop bien! Faites vite là! Et tu nous as gâché la partie! En plus, faites vite! Amuser. Rangez vite là, je vous ai dit là! Mais attends! Ah là! Bon bah tenez, hein! Prends les cartes! Je plaisante pas là! Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux que je te punis? Je te mettrai sur le toit de la maison! Mais c'est pas bien ce que vous faites! Moi je vais le signaler au papa, hein! Débarrassez-moi de tout ça là! N'importe quoi! Tout de suite! Vas-y, mettez le Uno ici et puis voilà. Hein. Donne mes cartes, Aaron. Viens. Puisque cette Uno, elle est trop énervée. Je sais pas pourquoi. Faites vite, là, je vous ai dit, là. C'est pas parce que vous criez sur les enfants qu'ils vont vous écouter et vous respecter. Hein. Il faut qu'il y ait discipline. Ce n'est pas un cours de récréation. Je vous dis tout de suite, là. Bien sûr qu'on n'est pas dans une cour de récréation, mais bien sûr aussi qu'on n'est pas à l'armée pour crier sur les enfants, en fait. Bon, ben, les enfants, venez, on va dans la chambre, on va regarder les animés, ok? Venez. On va aller regarder les dessins animés. Vous voulez regarder quel dessin animé? Disney. Ok, ben, on va aller voir. Je me suis bien occupée, la nouvelle nounou. Et j'aurai un double salaire. Et quand il y aura une nouvelle nounou, ça va être très très marrant. Voilà. Je vais passer une très 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 bonne journée. Ça va la journée? Ah oui, passé oui, une oui. Très bonne journée. Oui, je passe une très bonne journée. Et vous allez bien? Très bien, et vous? Vous voyez, il fait super beau aujourd'hui. Ouais, il fait grave super beau. Une belle journée. Ouais, j'ai bien profité. Après le travail, je me suis baladé. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Moi, je travaille, après je suis rentré, non? En fait, le problème, c'est que oui, je comprends pas pourquoi vous avez dos tourné aux enfants. Mais les enfants vont très bien. Oui, mais s'ils se font mal, là, c'est pas bon. Ah oui? J'avais pas fait attention. Ne vous inquiétez pas. Même si que j'ai le dos tourné, je les vois tous. Ah, tu les vois? Oui. Moi, je vois pas ce qui se passe derrière moi. Et quand je suis comme ça, je vois pas les enfants. Donc, je pense qu'avec vous, les enfants sont pas en sécurité. Je pense qu'on va arrêter. Parce que là, bon, bref, je vais d'abord voir Laurine parce que je comprends pas pourquoi Laurine n'est pas là. Bon, là, vous êtes quand même là. Mais Laurine n'est pas là. C'est... D'habitude, elle est collée aux enfants. Je comprends pas. Bon, non, vous pouvez rester là. Ça ne sert à rien de me suivre. C'est une dinguerie là, je rentre du taf, tout ça. Je vois quoi, la meuf elle a le dos tourné, mais c'est une dinguerie. Wesh, c'est quoi ça? Oh là là. Voilà. Mais papa il nous dit même pas bonjour, que d'habitude il nous dit bonjour. Mais en plus papa il est fâché.
Mademoiselle oui. Lee. Oui. J'ai une question à vous poser. Vous n'avez pas vu Laurine? Laurine? C'est qui? Voilà. C'est la nounou. Ah, la nounou. Elle s'appelait Laurine. Oui, elle s'appelle Laurine. Vous ne l'avez pas vue? Non, pas du non, tout. Non, pas du tout. Non, ça ne me dit rien. Je pense pas. Parce que d'habitude, Laurine. Ah, elle n'est pas venue aujourd'hui. Si, 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 si. Si, si Laurine était là. Non, je pense que. Non, je vais si pas elle était là. Si, elle était là. Elle était là? Oui, et c'est bizarre. Vous êtes sûr? Bien sûr, quand vous êtes arrivé, oui. Vous avez présenté Laurine. Ah non, les enfants. Vous avez présenté les enfants, je suis allée. Mais Laurine était là. Dans la même pièce que nous. Vous l'avez pas vue? Je n'ai pas fait attention. Pas fait attention? Pas du tout. Sûr? Sûr et certain. Parce que d'habitude, Laurine, elle colle les enfants. Bon, j'ai commencé à avoir faim quand même aussi. Bon, je suis en train de dire que Laurine, oui. Elle ne se sépare jamais des enfants. Elle est attentive. Donc, je trouve ça bizarre. En plus, elle ne m'a pas appelé ni rien. Oui. En venant ici, en sortant de la maison, j'ai essayé d'appeler tout ça pour savoir. Elle ne répond pas. C'est bizarre. Je ne l'ai pas croisée. Tu ne l'as pas croisée? Pas du tout. Ah. Les enfants, vous avez vu Laurine? Oui, papa, il y a quoi? Bon, tu as vu Laurine aujourd'hui, non? Oui. Ah. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas vu Laurine juste après? Non, après, on est monté pour regarder des choses dans la chambre, mais après, j'ai rien vu. Donc, on est bien d'accord. Tu me dis que vous êtes en train de monter dans la chambre? Oui. Votre chambre à vous? Oui. Avec Laurine? Oui. Et après, elle n'était plus avec vous? Elle était derrière nous, tout derrière, et après, elle n'était plus avec nous. Je ne sais pas quoi penser. Ok, bah, c'est bizarre. Tu pourras regarder les caméras aussi. Les caméras ne marchent plus. Ça ne fonctionne plus. Oh là là. Bon, merci hein, Jade. Vous avez vu, Laurine a démissionné. Démissionné? Elle ne peut pas abandonner son poste. Elle aime ses enfants, elle aime cette maison. Elle nous aime. Mais comme je vous ai dit, elle n'était pas là. Ok. Bon, moi je m'en vais. Papa, la nounou, elle a été méchante. Mais j'ai jamais été méchante, qu'est-ce que tu racontes? Oh, la menteuse! Mais tu sens le parfum à Laurine! Ho, ho, ho! Ah bon? Hein? Elle sent le parfum de Laurine, comment ça? Qu'est-ce que tu me racontes? C'est étrange. Non? Je trouve pas. Jade, viens. Est-ce que tu sais où Laurine dépose ses parfums? Oui. Va chercher, va chercher, va chercher. On attend la petite. Non, non, c'est bizarre. Je viens de vous dire un instant, j'ai pas croisé Laurine. Quel parfum? Vous me parlez. Ce parfum, il sent bon, mais on attend. Je vous assure, c'est mon parfum. Vas-y, Jade, viens, viens avec. Merci, viens. On va voir quelque chose. Ah, t'as le parfum? Sans le parfum, il sent la dame. Venez les enfants, venez les enfants, venez, venez, venez les enfants, venez, 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 sans ici, sans le parfum, sans bien, sentez cette dame, allez sentir, sentez la dame, voilà, comme ça on a des témoins. Papa? Oui. Mais elle a la même odeur que Laurine, il sent d'odeur c'est Laurine. Mais c'est mon parfum. Qu'est-ce que vous me racontez, là? Wanis, tu veux sentir aussi? Oui. Ça sent trop bon. Si je comprends bien, tous les enfants sont bien d'accord que ce parfum sent... C'est le parfum de Laurine et vous avez l'odeur de ce parfum. Ça veut dire que vous êtes débarrassé de Laurine, c'est ça? Oui. Va chercher mon téléphone au salon. On va appeler la police. Vous aussi, accompagne ton frère. S'il vous plaît, je vous en supplie. J'ai rien fait, moi. J'ai rien fait du tout. Si, c'est vous. Je vous ai dit que... Bruh.